Salam alaikum, Azul, bonsoir. Qu'est-ce qu'un demi-siècle dans la vie des nations? Ce fut la question-réponse, disons, la réponse lapidaire d'un monsieur avec lequel je discutais de la situation en Algérie et qui me reprochait de trop noircir le tableau. Qu'est-ce qu'un demi-siècle dans la vie des nations? Pour lui, pour ce monsieur, l'Algérie avait réussi un bond prodigieux en très peu de temps, en une cinquantaine d'années. N'en déplaise au pisse-froid, semblait-il me dire. Il n'oublia pas de me rappeler qu'en 1962, nous sortions d'une longue nuit coloniale et que nous avons dû tout construire, selon lui. Et surtout que nous avons dû donner naissance à un homme nouveau, m'a-t-il dit, comme nous l'avait promis Boumedine, on s'entend, nous allons créer l'homme nouveau. Le monsieur était en verve et il enfourcha allègrement le dada habituel. Comparé à ce qu'elle était avant l'indépendance, me rappela-t-il, la société algérienne est aujourd'hui l'une des plus prospères d'Afrique, du Maghreb et du monde, dit arabe. Selon lui, les institutions, nos institutions, sont parmi les plus démocratiques, notre presse parmi les plus libres, le niveau de vie de la population parmi les meilleurs d'Afrique et du monde arabe, bien sûr. Et quelle belle référence, soit dit en passant. Et d'une manière générale, toujours selon le même monsieur, et comparé à ce que je viens de citer, les droits humains et les libertés individuelles dont nous jouissons, que nous sommes supposé connaître, serait tout à fait respectable. Et donc j'eus droit à toute la panoplie ordinaire, y compris la parabole du verre à demi vide ou à demi plein, et je n'ai pas pu m'empêcher de lui rappeler l'exemple de l'Allemagne et du Japon. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces deux pays avaient été défaits. Ils avaient subi une lourde défaite. Ils avaient été totalement ravagés, rasés, leur jeunesse décimée. En plus des deux bombes atomiques qui avaient été larguées sur le Japon, en plus de l'Allemagne qui avait été coupée en deux entités antagonistes, séparées par un mur, un vrai mur. Pourtant, en moins de 50 ans, et alors qu'ils avaient été ruinés, qu'ils n'avaient pas de ressources naturelles, qu'ils sortaient de la guerre la plus meurtrière de l'histoire, ces deux pays allaient se hisser au sommet des nations en moins de 50 ans. En moins de 50 ans, ils sont devenus tous deux leaders économiques, leaders technologiques, leaders scientifiques, leaders universitaires. Et j'en passe, et je passe sur le reste. Et même en termes institutionnels, ils sont passés tous deux de la situation de dictature intégrale, celle de Hitler et celle du Japon antique, celui de l'empereur. Ils sont passés de la situation de dictature intégrale, et quelle dictature, à des États qui reposent sur des systèmes fondamentalement et irrémédiablement démocratiques. Voilà pour répondre à ce monsieur qui m'a sorti ce slogan éculé qu'on nous a tellement rabâché que 50 ans ne sont rien dans la vie des nations. En vérité, s'il n'y avait eu ce coup d'État de 1962 qui avait volé la victoire du peuple, si nous avions eu la chance d'avoir des dirigeants honnêtes et compétents, nous aurions pu nous propulser à un niveau vraiment, mais alors vraiment appréciable, parce que nous en avions largement les possibilités et les moyens. Toutes les chances étaient de notre côté. Un très beau pays, le plus grand d'Afrique, riche de son merveilleux littoral, de ses plaines fertiles, de ses montagnes boisées, du désert le plus vaste du monde. Un pays peuplé majoritairement de jeunes, jouissant d'une situation géostratégique unique au nord de l'Afrique, au cœur du Maghreb, à quelques encablures de l'Europe. Un pays qui regorgeait de richesses naturelles. Mais au lieu de se servir de tout ce potentiel pour avancer, pour prospérer, pour asseoir un état de droit, permettre au peuple de jouir pleinement de ses droits, le régime qui s'est imposé à notre tête et qui ne pouvait se maintenir qu'en répandant une mauvaise conscience généralisée,
a fait en sorte de dilapider nos richesses pour nous corrompre, pour nous anesthésier, pour faire de nous un peuple à son image, obnubilé par la course aux miettes qui tombait de sa table. Dans le même temps qu'il réprimait et même tuait quiconque parmi nous osait le contester. Et c'est ainsi que ce régime parvint à se maintenir à la tête du pays, de l'indépendance à aujourd'hui, plus de 50 ans. Le même régime, c'est le même régime, même s'il a changé d'apparence. Rappelons que l'actuel chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, était ministre en 1962. Mais une question se pose néanmoins. Ce régime est-il la cause de nos malheurs ou la conséquence de notre passivité, de notre absence, de notre silence? Est-ce que c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes devenus, des étrangers dans leur propre pays, un pays qui est devenu la propriété des barons de ce régime, de leurs enfants, de leurs clients, de leurs protecteurs étrangers? Ou est-ce de notre faute et celle de nos élites, si tant est qu'elles existent, qui avons permis que ces gens puissent commettre ces ravages, ce pillage, ces carnages? Un tel régime aurait-il pu s'imposer à la tête d'un peuple digne et fier, conscient qu'il est le premier responsable de tout ce qui lui arrive, en bien comme en mal? Où sommes-nous dans le schéma benabiste de Melk Ben Nabi, celui de la colonisabilité? Un schéma qui se décline en des termes plus adaptés à aujourd'hui, ceux de corruptibilité, de khobzistibilité, de kfazabilité, de nifakabilité, de rochsabilité. Et où sont passées nos élites? Quelqu'un les a-t-il vues quelque part? Où se sont-elles nichées? Quelle est donc cette université qui ne s'exprime sur rien? Pas même quand la nation est en danger de mort imminente. L'ANP, l'Armée nationale populaire, est-elle vraiment, comme on nous le répète sans arrêt, la digne héritière de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale? La digne héritière de l'ALN peut-elle permettre que la nation soit traitée de cette façon? Qu'elle soit ainsi menée à l'abattoir par une famille de malfaiteurs? Nous ne rappellerons jamais assez, en effet, que presque tous les barons du régime, presque tous, sinon tous, et même leurs clients, sont tous parents les uns des autres, par les liens du sang, parce que ils ne se marient qu'entre eux. Même les derniers débarqués ont fait en sorte de virer leurs anciennes épouses pour en prendre une qui soit du sérail. Ils ne se marient qu'entre eux depuis 1962. Ils sont une seule et même famille, par les liens du sang, je le répète. Oui, mais quel est donc ce silence? Pourquoi la presse qui avait poussé le bouchon un certain moment jusqu'à se qualifier de presse la plus libre du monde arabe est-elle ainsi rentrée dans une telle soumission? Et je pèse mes mots. Après s'être compromise dans une atroce compromission. Et je pèse mes mots. Aujourd'hui. El Huffington Post. Affaire Ben Haddid, silence radio des militaires, des politiques et des médias. Par Walid Boutoura. El Watan. Droits de l'homme, Salah Dabouz placé sous contrôle judiciaire. Par Hassan Wali. Liberté. Affaire El Khabar, le triomphe de l'arbitraire. Alors avec nous aujourd'hui pour en parler, Saïd Aknin, militant pour la démocratie et les droits de l'homme, qui nous parlera depuis Paris. Ali Benouari, président de Nida Al-Watan. Adel Khalil, maître de conférence, qui nous parlera depuis Belfort. Et Ali Benouari nous parlera depuis Genève. Alors, je vais commencer par Saïd Aknin. Saïd Aknin, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alam bik Saïd. Alors, Saïd, franchement, très franchement, très directement, comme vous savez si bien le faire pour parler vrai, elle est où l'élite? Elles sont où ces élites? Elle est où l'université algérienne? Elle est où la classe politique?
Pourquoi personne ne s'exprime? Ils sont où les journalistes? Sincèrement, je ne pourrais pas dire que quant à la situation. Saïd Aklin, je vais me permettre de vous interrompre parce que là, on vous entend très mal. Je vous laisse entre les mains du soutien technique. Ils vont essayer de régler le problème. Et je passe à Ali Benouari. Je reviens à vous dans un instant. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Est-ce que Ali Benouari est avec nous? Ali Benouari? Alors, problème aussi. Donc, nous allons passer à Adel Khalil, maître de conférence. Adel Khalil, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci, c'est un plaisir. Si... Je rappelle que c'est la première fois que le Top 3 vous reçoit, a le plaisir de vous recevoir. Donc vous êtes un jeune maître de conférence à l'Université de Belfort. Et donc vous êtes très au fait de la situation algérienne. J'aimerais que vous nous parliez un peu de cette, j'allais dire carence, de cette absence sidérale des élites algériennes et de la société civile d'une manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je permets de dire qu'elle a abandonné l'activité politique pour une cause ou une autre, je reviens vers la cause principale, c'est la peur. Je parle pour ceux qui sont un peu vieux, ceux qui font la cinquantaine et la soixantaine actuellement, mais pour les jeunes, le système éducatif algérien n'a pas formé d'une élite qui peut exercer une activité politique, qui peut critiquer le système, par exemple. Ils ont conditionné leur pensée, leur tête. Si on parle avec des jeunes algériens actuellement, avec des étudiants algériens ou même des enseignants ou des jeunes chercheurs, leur objectif unique sont les droits républicains et les droits civiques sont devenus un rêve en Algérie. Le jeune Algérien, il rêve de se marier, de travailler, d'avoir un logement, malgré ce sont des droits constitutionnalisés dans la charte des droits de l'homme, partout dans le monde. C'est vraiment, ça fait mal au cœur. Mais comment expliquez-vous, Adel Khalil, comment expliquez-vous cette, j'allais dire, c'est comme une anesthésie, c'est comme un coma, les gens... Il y a une telle banalisation de l'outrance, du scandale, du fait du prince, que presque plus personne ne s'en émeut. Les gens ne réagissent plus, ils sont imprégnés de l'anormalité, en quelque sorte, de la situation. C'est, peut-être que si la situation redevient normale, qu'ils vont s'étonner, tellement ils ont pris l'habitude de naviguer dans de l'anormal, dans du scandale, dans les turpitudes les plus abjectes. Comment expliquez-vous cette... capacité de tout accepter et de ne réagir à rien. Mais c'est vraiment, c'est affreux. C'est affreux, ça fait peur. Quand ce qui est anormal devient la normalité dans le pays qui a payé 1,5 million de personnes pour qu'ils soient libres, pour construire une nation libre, et digne, et sûre d'elle, vraiment, ça fait peur. Et la peur dont vous parlez, vous dites que c'est la peur. Vous pensez que les gens ne réagissent pas par peur, vraiment, que c'est la seule explication? Oui, pour moi, c'est la peur. Il n'y a pas de liberté de presse quand on voit des journalistes qui sont en prison. C'est la meilleure réponse, c'est clair. C'est par peur. Et là, cette situation, ça fait peur. Parce que le pays ne va pas très très bien non plus. Quand le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, dit qu'il ne reste pas assez de réserves. Mais Adel Khalil, vous qui êtes universitaire, nous savons tous que l'université, normalement, puisque nous reprenons encore ce terme de normalité, normalement, le moins qu'on puisse demander à l'université avec un U majuscule, c'est de s'impliquer dans la vie publique. Dans la situation, oui. Or, en Algérie, l'université est absente, mais alors totalement absente. Ça veut dire qu'elle ne fait pas la moindre petite vaguelette. On n'entend jamais parler de l'université. Elle ne s'implique jamais.
Mais alors jamais. Hein. Publiquement, on n'entend pas parler d'elle. Je ne sais pas s'il y a des petites conférences qui ont lieu de temps en temps au sein même de l'université, mais sinon, sur la place publique, l'université est totalement absente. Mon cher, tout à l'heure, vous avez utilisé un mot qui m'a beaucoup plu. Je me permets de réutiliser ce mot-là. Vous avez dit « groupiste ». Ben c'est ça. C'est un enseignant parle, critique le système, il se trouve à la rue, sans travail ni logement, s'il habite dans un logement de fonction. Un logement de fonction, il se trouve sans emploi, sans rien. Ben du coup, il abandonne son droit à critiquer la situation, même économique. Et le malheur, c'est que ces enseignants-là, ils peuvent donner quelque chose. Ils peuvent améliorer la situation économique comme la situation politique de notre pays. Et je trouve que c'est tout à fait normal qu'ils parlent. Ils doivent réagir dans les grandes nations, les grands pays. C'est l'université qui a pu construire un grand pays, qui a pu construire une économie créative de richesse, qui a pu trouver des solutions. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Allemagne. Si on revient sur le modèle allemand, ce sont les enseignants. Si on revient sur le modèle anglais, ce sont les étudiants. Le modèle américain, pareil. Par contre, l'université avec un grand U majuscule, comme vous avez dit, elle est absente. Ni étudiants, ni enseignants, ni fonctionnaires, ni quoi que ce soit, parle de la situation très difficile. Restez avec nous, Adil Khili, je reviens à vous dans un moment. Donc je crois que c'est réglé avec le téléphone de Saïd Akinin. Vous êtes avec nous, Saïd ? Je salue fraternellement toute l'équipe d'El Maghrebia et je suis vraiment désolé pour le désagrément occasionné. Mais ça ne fait rien, Saïd. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Saïd, la situation est très, très grave. Tous les indicateurs sont au rouge pour ceux qui savent voir la réalité dans son détail et en face, sans faux fuyant. Pourtant, l'opinion publique est totalement apaisée. Il y en a même qui reprochent à ceux qui tentent de lancer l'alerte, comme le Maghrebia, par exemple, qui se spécialise un peu dans le toxin, dans l'alarme, de trop en faire, d'exagérer les choses, de noircir le tableau. C'est un silence sidéral. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, Saïd ? Vous savez, Jamel, c'est que ce que fait justement cet organe qui me donne aujourd'hui la liberté de m'exprimer est salutaire. Et l'histoire va en juger. On peut décrire, on peut dire, on peut qualifier. La réalité est plus amère que le constat. Ce qu'on fait, ce que certains font, c'est ce qu'on appelle ce qui manque aujourd'hui. C'est une organisation dont il y aura une certaine forme de convergence parce que même s'il y a certaines voix inaudibles, mais elles existent. Elles sont là. Il est vrai que le système a tout fait pour casser tous les ressorts d'organisation et d'expression de cette société. Mais là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Le fait qu'aujourd'hui, on pose la problématique de l'organisation, soit de la société civile ou de la société politique, pose naturellement la problématique du lien social et celle de nos rapports, les rapports des Algériennes et des Algériens, les uns aux autres, et celle des uns aux autres, c'est-à-dire de nous tous, aux institutions et à nos gouvernants. Quand ces questions sont posées, il y a lieu de s'interroger, et là j'emprunte l'idée à Régis Debray, sur la croyance politique et la foi dans le politique, sachant que tout a été fait, et ce depuis l'indépendance confisquée. J'emprunte l'expression au feu Farhat Abbas de l'indépendance confisquée pour diaboliser le politique, discréditer la politique. Les récents événements clownesques et le langage nauséabond de certains acteurs dits entre guillemets majeurs de la vie politique du pays sont des preuves irréfutables de cet objectif des tenants du pouvoir. En plus de discréditer justement le politique et la politique,
C'est ça aussi qui accentue les choses. Et c'est ça qui fait fuir. En plus de diaboliser, le système agit aussi sournoisement pour rendre inopérant dans notre pays l'action politique. Je donne des petits exemples. Un petit exemple sur le code communal, le code Goulaya et tous les codes. On a assujetti les élus au pouvoir informel et au désigné. Quel rôle aujourd'hui joue, quelles sont les prérogatives, quelles sont les possibilités d'un maire, d'un élu, d'un président d'APOI. Et j'en parle pas de l'Assemblée Croupion. J'en parle pas de l'Assemblée Croupion, de la République des copains et du capitalisme des copains. Le tissu associatif, le tissu politique établi au sein du système politique en Algérie ne correspond pas aux différentes dynamiques qui existent au sein de notre société. Là, je vais vous donner encore, comme je l'ai dit tout à l'heure... Mais quelle dynamique, Saïd ? Quelle dynamique qui existe dans notre société, à part celles qui sont au service du pouvoir, à part ces institutions de façade, à part la prédation en marche des barons du régime, quel dynamisme parlez-vous ? Vous savez, l'indépendance du pays fut arrachée par, justement, la grandeur de notre peuple, auquel des hommes et des femmes, et là, je ne rentre pas dans la propagande du régime. Je fais très attention parce qu'ils ont dévoyé, perverti. Ça, ils l'ont utilisé à des fins d'hypnose sociale. Là, j'utilise cet exemple afin, justement, de créer une certaine forme de choc social, de catalyseur, afin qu'enfin, nous allons voir justement la convergence de lutte et voir le pays libéré comme cette indépendance arrachée. Pourquoi qu'il y avait eu ça? Parce qu'il y avait des hommes et des femmes, de grands hommes et des femmes qui ont fait croire à un rêve. Et aujourd'hui, la question qu'il va falloir aussi se poser, y aurait-il le désintéressement qu'il y avait eu à un certain moment? Il y avait eu l'engagement, le volontariat tant politique de représentants acteurs majeurs dans la société pour qu'on fasse croire à un autre rêve, un rêve d'une Algérie meilleure, d'une démocratie majeure, un rêve d'un pays prospère. Des voix qui nous viennent de tous les coins du pays. Je ne cite que quelques-unes. La mobilisation contre le gaz de schiste, celle d'un village de Betna récemment contre la construction d'une cimenterie, celle d'un village, Igelsefen, qui est en train de donner un exemple de civisme, le tri sélectif, celle aussi d'une école dans une région du pays où non seulement on enseigne les arts martiaux, mais aussi c'est corrélé aux résultats à l'école. Celle de la LRDDH, elle travaille de la formation qu'elle fait par rapport aux droits de l'homme, sans pour autant rentrer dans leurs droits de l'homisme, que la géostratégie utilise quand il faut pour déstabiliser... J'entends bien, Saïd Aknin, j'entends bien qu'il y a encore des gens qui font tout pour essayer de faire bouger les lignes. Il y a vous ici, il y a Adel Khalil, pour parler de cette jeunesse. Vous êtes jeune comme Adel Khalil, et vous êtes très très actif, très dynamique, très militant. Mais est-ce qu'on ne dit pas qu'une hirondelle ne fait pas le printemps? Pourquoi ces gens qui essayent de bouger, ces forces vives, qui essayent de crever cette chape de plomb, ne parviennent-ils pas à créer une sorte de synergie, d'un mouvement qui soit coordonné entre les uns et les autres? Pourquoi, quand ils bougent, les jeunes élites bougent de façon tout à fait isolée, vont dans tous les sens, mais ils ne parviennent pas à créer une vraie synergie? Tout à fait. Et là, c'est la problématique essentielle. Et là, je vous rejoins dans votre éditorial où vous avez parlé de robzisme, où vous avez parlé d'un certain nombre de choses. La raison, elle est simple. La raison, il y a un certain nombre de limites. Et les limites, elles sont imposées par le système. Je n'en cite que quelques-unes. Les traumatismes sur lesquels surfe le système pour justement asseoir un climat de léthargie. À tout moment, on brandit une menace. La menace du retour à la décennie contre les civils, la menace de la main étrangère, la menace et la menace. Le deuxième élément, c'est la colonisation. À chaque fois qu'il y a une structure autonome, on lui crée une structure affidée au pouvoir. Le troisième élément, et ça on l'a vu avec beaucoup d'accentuation quand il y avait eu l'embellie financière, c'est le roubzisme. Et le roubzisme, justement,
Justement, ils ont pu, à travers, y compris des canaux institutionnels, essayer de démocratiser la corruption à travers les différents programmes. Quand on n'accompagne pas les gens, quand ils créent leur entreprise, quand on ne les dote pas d'informations, c'est juste une autre façon d'élargir les cercles de corruption et du partage de la rente du pays. Le quatrième élément, c'est l'émiettement, la corporatisation. Et le cinquième élément, c'est l'ego. Chacun de nous, aujourd'hui, se dit, c'est lui le chef, c'est lui qui va être le porte-étendard, c'est lui pour quelle raison ? Le sixième élément, c'est que l'Algérie est devenue à un certain moment un grand gâteau, où tout un chacun se dit, mais comment je vais avoir ma part ? Et personne ne se dit, justement, ce gâteau servira le peuple et la patrie. Ce gâteau n'est pas à moi. Moi, si je m'engage, ce n'est pas pour avoir et obtenir. Ce n'est pas pour avoir et posséder. C'est pour donner. C'est pour. Et là, il y a des gens, on les connaît. On les connaît qu'il y a des gens qui sont prêts à s'engager, à servir le pays sans pour autant recevoir un centime un centime de salaire, un centime d'intérêt, ne serait-ce qu'un atome d'intérêt particulier. Et là, justement, c'est le défi de cette société. Le sixième défi, c'est dépasser les rigidités partisanes et les rigidités, les frontières cognitives et les blocs identitaires. Parce que le système nous enferme dans ça, nous enferme dans une certaine forme de rigidité où les partis se disent, certains partis, bien sûr ceux qui sont en allégeance, mais aussi l'opposition organique et le carriérisme politique. Ces gens-là refusent à ce qu'il y ait l'émergence d'un nouveau potentiel politique pour construire le nouveau politique et le nouveau contrat social du pays. Et là, justement, c'est toutes ces limites qui sont imposées par le système. Associons à cela une autre limite, c'est la limite de la corruption, y compris par le langage. Restez avec nous, Saïd Akhni, je reviens à vous dans un moment. Et nous accueillons à présent Ali Benouari. Merci d'être avec nous, Ali Benouari. Oui, c'est moi qui vous remercie pour cette nouvelle invitation. Mes salutations fraternelles à vos brillants invités. Merci. Je les ai attentivement écoutés aussi. Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit. Leur constat est brillant, il est implacable. Je me limiterai donc à dire qu'il y a un dénominateur commun à tous ces problèmes. C'est le déficit de démocratie. Sans démocratie, il faut que le peuple algérien sache que sans démocratie, il n'y a pas de salut. Et le pouvoir le sait. Le pouvoir piétine les libertés individuelles, les libertés collectives. Il piétine les lois, il piétine les constitutions qu'il élabore lui-même. Mais pourquoi il le fait ? Il le fait parce qu'il ne veut pas d'une nation. Il ne veut pas gouverner une nation, il ne veut pas gouverner un État organisé. Il veut gouverner la multitude. Il veut gouverner une multitude d'individus qu'il entreprend de traiter sur la base d'intérêts corporatistes, d'intérêts individuels, égoïstes, en flattant les bas instincts du peuple, en divisant le peuple si possible, en jouant sur les divisions ethniques, sur les divisions tribales, sur les divisions religieuses, sur les divisions linguistiques. Bref, le pays est en train de s'enfoncer, de s'autodétruire, le pays se détruira, est en train de se détruire lui-même, et il continuera dans cette voie, hélas, dans cette voie sans issue. Vous pouvez être certain que le pouvoir ne partira pas, l'opposition telle qu'elle existe actuellement ne pourra rien faire, tant qu'il n'y a pas une prise de conscience collective, qu'il y a un dénominateur commun, une seule planche de salut, c'est la démocratie. Bien, une fois cela dit, pourquoi je dis un seul dénominateur commun ? Parce que tous les dysfonctionnements qui viennent d'être brillamment décrits, ils ne tiennent qu'à une seule raison. Il n'y a pas de démocratie parce que les gens ne se connaissent pas. Les Algériens ne peuvent, on leur interdit de se réunir pour qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux, pour qu'ils ne puissent pas débattre des problèmes, pour qu'ils ne puissent pas découvrir que la solution passe par le départ de ce régime dictatorial. Il est presque inutile d'épiloguer sur les piétinements, sur les entraves, sur les transgressions aux droits des individus, des associations, etc. Par exemple, je vous remercie de m'avoir présenté comme président d'un parti, Nida Al-Watan. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que
On n'a même pas le droit. Je n'ai pas le droit de créer un parti politique alors que la loi et la Constitution me le permettent. Est-ce que combien d'Algériens s'émeuvent de cela? Très peu au fond. Au fond, les gens s'en foutent. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a trois acteurs sur le marché, je dirais, politique, si vous me passez l'expression. Il y a l'État, le pouvoir, qui a ses intérêts, sa logique est de rester tant qu'il a les moyens de le faire. Et il a tous les moyens, et on l'a bien vu depuis 1999, il a eu tous les moyens de rester. Les moyens militaires, les moyens financiers, d'acheter les gens, d'acheter la paix sociale, de corrompre, etc., de se remplir les poches. Pourquoi voulez-vous qu'il parte? Sa logique est de rester, il assume bien son rôle, si je puis dire. Deuxièmement, il y a le deuxième acteur, c'est l'opposition. L'opposition, ça ne sert à rien de reprocher, il ne sert à rien de reprocher à l'opposition de ne pas être à la hauteur. L'opposition actuelle, celle qui est reconnue, elle est reconnue d'ailleurs pas par hasard, elle est reconnue parce qu'on sait quelles sont ses limites. Mais les dirigeants, ils font ce qu'ils peuvent, ils prennent aussi, ils ont leur propre logique, c'est d'exister durablement si possible. Et est-ce qu'on doit leur reprocher de ne pas prendre le risque d'appeler les gens à sortir dans la rue? Vous et moi, et ceux qui nous écoutent, savent très bien que tant que les gens ne sortent pas dans la rue, le pouvoir ne partira pas. Mais l'opposition, elle n'appelle pas les gens à sortir dans la rue. Elle ne veut pas prendre ce risque, parce que si elle le fait, d'abord le pouvoir tombera, c'est clair. Au moindre appel de l'opposition au peuple à sortir dans la rue, le pouvoir ne durera pas une semaine, il partira. Mais ils ne veulent pas prendre ce risque parce que derrière, le risque personnel qui pèse sur les dirigeants, d'aller en prison, d'être arrêté, etc., il y a le risque de guerre civile. Et le pouvoir profite de cela. La Syrie, l'Irak, la Libye, on ne peut pas, au fond, vraiment, vraiment reprocher à cette opposition qui est ce qu'elle est de ne pas prendre ce risque. Et là, j'en viens à l'essentiel, le peuple, qui est le troisième acteur. Vous croyez que le peuple n'a pas de responsabilité à assumer? Le peuple, parlons-en. Il y a trois tendances qui travaillent ce peuple. La première tendance, c'est de vivre ou survivre. Le pouvoir en profite, il l'achète. Ce qu'on appelle l'achat de la paix sociale, à travers une bonne partie de l'argent qui part en subventions diverses, non productives. Maintenant, le peuple, il est aussi travaillé par l'opposition. Il y a beaucoup d'Algériens qui acceptent de jouer le rôle, de rejoindre les partis d'opposition pour que ça change. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Il y a enfin une troisième force qui travaille le peuple, c'est les effets de la crise. Et là, on le voit, c'est des milliers d'émeutes par an. On ne peut pas les cacher, on ne peut pas ignorer que ces émeutes existent. Et au fur et à mesure que la crise s'approfondit, le nombre d'émeutes se multiplie. J'ai presque envie de dire, à la suite de Karl Marx, que l'humanité ne se pose que les conditions socio-objectives, qu'un problème ne se pose que quand les conditions socio-objectives pour résoudre existent. Ces conditions socio-objectives en Algérie aujourd'hui, c'est l'approfondissement de la crise. Nous sommes condamnés presque, hélas, à attendre que la crise s'approfondisse, que le chômage augmente encore dans de grandes proportions, que l'inflation lamine le pouvoir d'achat et détruise tous les pouvoirs d'achat, tout le pouvoir d'achat que le pouvoir a distribué au fil des ans, pour que, donc, un état de paupérisation dramatique, pour que le peuple puisse enfin bouger. Mais Ali Benouari, Il bouge, il va faire pression à la fois sur l'État, mais il va faire pression sur l'opposition qui sera condamnée à le suivre. Oui, mais Ali Benouari, si ce scénario se précise, que l'explosion ne se fera que lorsque la dalle nous sera tombée sur la tête, ça veut dire que lorsque le pouvoir, en termes clairs, ne pourra plus acheter la paix sociale. Et vous l'avez déjà prévu d'ailleurs. Et je rappelle que vous avez été ministre du Trésor et je rappelle que vous jouissez d'une expertise reconnue, y compris dans le monde financier et économique occidental, je le rappelle. Vous avez donc prévenu que tôt ou tard on y arrivera, que votre ami et collègue Samuel Sedir, avec lequel vous avez fondé une sorte de synergie justement, avec Sofiane Gilali, nous a dit, quant à lui, que c'est le mur qui va venir vers nous. Mais, Ali Benouali, lorsque cette extrémité inéluctable, à Dieu ne plaise, surviendra, ça ne peut être que dans la violence, puisque ce régime n'a pas permis à la population, au peuple algérien, à la société algérienne,
de rallier une force qui puisse porter des contestations politiques. Il a fait en sorte que s'il y a une contestation qui puisse s'exprimer d'une quelque façon, ça ne peut être que par la violence. Et tout ça est calculé, justement. Bien sûr, vous faites bien de le souligner. Mais c'est tout le poids qui pèse sur vos épaules, Sidi Jamel, qui pèse sur nos amis qui viennent parler, qui pèse sur mes épaules. C'est toutes les intelligences du pays aujourd'hui sont requises de continuer d'alerter, alerter sans arrêt sur ce qui peut, sur ce qui va advenir si nous ne bougeons pas tous collectivement. Parce que inéluctablement, le mur viendra vers nous. J'ai situé depuis fin 2013 cette échéance à 2019. 2019, qui est par coïncidence le terme du quatrième mandat, j'avais dit, si nous ratons 2014, nous allons inéluctablement vers 2019. Qu'est-ce qui va se passer en 2019? J'ai déroulé le scénario basé sur les pratiques du pouvoir, sur sa politique économique, sur sa politique sociale, et j'ai déroulé donc tout cela, et on arrive à 2019 à une situation de quasi-famine, c'est-à-dire à la situation du Venezuela. Beaucoup de gens ont pensé que j'exagérais parce qu'on avait 200 milliards de dollars en réserve de change et nous avions 6 000 ou 7 000 milliards de dinars dans le fonds de régulation de recettes. Aujourd'hui, à la fin de cette année, il n'y aura plus un centime pour payer les fonctionnaires, pour financer le budget de l'année prochaine. On ne pourra pas payer les fonctionnaires parce que le déficit budgétaire qui dépasse 16% du PIB dépassera on n'aura pas la moitié des recettes pour financer les dépenses courantes de fonctionnement. Comment l'État va faire? Il est en train de chercher, mais il ne trouve pas, il ne pourra pas trouver. Et compter sur les réserves de change, mais les réserves de change, depuis que j'ai lancé mes avertissements, elles ont baissé de moitié. Ils ont jeté par la fenêtre 100 milliards de dollars. Eh bien, en 2019, nous ne pourrons plus, il n'y aura plus un centime pour financer les importations. C'est ça le mur. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'en 2019, nous entrons dans un scénario à la vénézuélienne, où ça sera le chaos. Et de ce chaos, forcément, naîtra un ordre nouveau. Quel sera-t-il? Nos intelligences sont requises d'essayer d'imaginer ce que sera ce chaos, sur quoi il peut déboucher. Allez, Benoît, je vais revenir à vous, justement, c'est très important pour vous demander de... Vous l'avez déjà prévu, hein, cette histoire de Venezuela, vous aviez prévu ce qui allait arriver au Venezuela, c'est arrivé. Je reviendrai à vous dans un moment pour nous demander d'essayer de faire une sorte de parallélisme, de parallèle avec le Venezuela, justement, qui connaît aujourd'hui les affres de la crise. Et je reviens à Adel Khalil. Adel Khalil, vous qui enseignez en France, dans une université française, qui vivait en France, comme des millions de nos compatriotes. La plupart de nos élites, d'ailleurs, aujourd'hui, universitaires notamment, se trouvent en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Je rappelle par exemple qu'en France, les médecins algériens, les médecins qui sont venus d'Algérie, qui ont fait leurs études en Algérie, occupent la première place des médecins étrangers en France, à titre d'exemple uniquement. Alors, j'aimerais vous entendre nous expliquer ce que pourrait être l'apport des élites qui viennent de l'intelligentsia, de la diaspora algérienne en Occident. Adel Khalil, est-ce que vous êtes avec nous? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Je reviens juste sur ce qu'il avait dit, M. Benouari. Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, 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 je l'ai bien entendu. Allez-y, je vous en prie. Juste pour la situation économique, elle est très grave. Ce qui est arrivé au Venezuela actuellement, il peut arriver à l'Algérie dans 9, 12 à 13 mois. Parce que l'économie algérienne est tout à fait une économie pétrolière et financée à 98% par le pétrole. Allô? Allô? On vous écoute. Oui. Oui, oui. D'accord. Et pour votre question, on a pu proposer nos compétences à notre pays. On aurait bien aimé servir notre pays, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'accompagnement de cette élite. Il y a que ils ont monopolisé les postes clés, ils ont monopolisé les postes supérieurs,
Les conditions de l'exercice des métiers ne sont pas bonnes du tout. Ils ne permettent à nulle personne de faire un travail de ce qu'on peut faire ici. Et il n'y a pas une volonté de récupérer cette élite qui peut servir l'économie algérienne et qui peut servir notre pays, qui peut sortir notre Algérie de cette crise. Oui, oui, je vous en prie. Adel Kellil. Oui. Les élites algériennes de l'intelligentsia qui se trouvent en France, un peu partout en Occident, vous semblez nous dire qu'il n'y a pas d'accompagnement, c'est-à-dire vous attendez du régime qui vous accompagne, qu'il vous invite, qui vous déroule le tapis rouge. Non. Par respect à nos principes et par respect à notre éducation et par respect aux maritimes. Non, on n'attend rien de ce gouvernement, et vraiment désolé. On n'attend rien. Non. C'est pas notre objectif. Notre objectif, et l'Algérie, eux, ils sont restés dans le pouvoir 20 ans, ils n'ont rien fait. Ben, on ne veut pas qu'ils collent ça sur nous, comme le ministre de l'Intérieur a dit que tout le monde est complice, que tout le monde est responsable de la situation actuelle. Oui, mais depuis 1999, c'est la même équipe politique, ils n'ont rien fait. Adel Kellil, plus concrètement, aujourd'hui, certains parlent, quand ils essayent de chiffrer un peu le nombre des élites algériennes qui se trouvent à l'étranger, dans les diasporas algériennes, parlent jusqu'à 2 millions d'Algériens qui seraient... Donc, qui auraient fait des études supérieures et qui se trouveraient en Occident et dont nombreux ont réussi à s'implanter malgré la discrimination, malgré les difficultés. Mais on a l'impression que nos élites de la diaspora se détachent de jour en jour de leur pays d'origine plutôt qu'ils n'essayent de s'organiser afin d'essayer de voler à son secours. On a l'impression, c'est vrai qu'en Algérie, on n'entend pas l'université, on n'entend pas les élites, on n'entend personne, c'est le silence total. Mais ceux de l'étranger ont les moyens de s'exprimer, ils ont les capacités de s'exprimer, ils ont la liberté de s'exprimer, et pourtant, on ne les entend pas. C'est ça que j'aimerais que vous nous expliquiez. Parce qu'ils savent que ça servira à rien. Ça devient un tabou. Un universitaire ou quelqu'un qui a le diplôme supérieur, qui a une expérience politique, ça devient un tabou qu'il demande quelque chose ou qu'il conseille ce gouvernement. Ben, ça devient un tabou. Ils ont monopolisé l'activité politique. Ils ont monopolisé cette Algérie. Ils pensent que l'Algérie, c'est pour eux, malgré que le projet républicain et le projet révolutionnaire de l'Algérie, c'est pour réunir tout le peuple et toutes ces élites-là. Restez avec nous, Adel Kellil, jusqu'à la fin de l'émission. Je reviens à Saïd Aknin. Saïd Aknin, je suis tenté de vous reposer la même question. Pourquoi les élites algériennes qui vivent à l'étranger sont-elles inaudibles alors qu'elles ont toute latitude de pouvoir s'organiser, s'exprimer? Je vais vous donner un exemple. Personnellement, j'en sais quelque chose. Pour avoir été plusieurs fois l'un des organisateurs d'appels à manifester face à l'ambassade d'Algérie à Paris, pour dire la vérité. Moi, si j'étais de l'ambassade, j'aurais filmé les gens qui viennent manifester pour montrer aux Algériens que finalement, il n'y avait que 4 chats. Nous étions toujours 4 chats. Maximum 15-20 personnes, alors que nous passions un mois, deux mois à lancer des appels, à essayer de mobiliser. Je ne parle pas de tout le monde, je parle des élites. Les élites ne se sentent plus concernées. Ou du moins, elles sont tout à fait inaudibles. Pourquoi ? Vous savez, Jamel, pour moi, du moins dans ma conception de voir des choses et celle de mes amis, l'élite n'est pas seulement celle qui est bradée des diplômes, n'est pas simplement celle qui a hissé son rang social, c'est pas simplement celle qui officie dans les plus grandes boîtes à travers le monde. L'élite, pour moi, justement, c'est celle qui viendra assister à ce rassemblement ou sinon à cette occasion
de protester contre un certain nombre de choses. L'élite, pour moi et pour ceux, sinon du moins pour la majorité du peuple algérien, c'est celui qui cherche aux côtés des uns et des autres les chemins de la liberté, et ce n'est pas celui qui va être polyglotte ou celui qui va être polydiplôme ou je ne sais pas quoi. Maintenant, revenons à la question du pourquoi qu'il y a une certaine forme d'inaudibilité. Parce que, à un certain moment, il faut analyser les choses dans la profondeur. La profondeur, c'est qu'il y a un système qui a pu justement détruire les ressorts de la confiance entre tous les éléments du tissu social. Allons jusqu'à les uns doutent des autres, les uns stigmatisent les autres, les uns ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ça vient effectivement des uns et des autres. L'autre élément, il y a les espaces justement de véhicule de l'information. Les espaces de véhicule des informations, soit c'est les réseaux sociaux, soit c'est les télévisions, soit c'est les journaux. On trouve malheureusement que les journaux qui essayent aujourd'hui de véhiculer la transgression, ce qu'on peut éventuellement appeler intelligemment la transgression par rapport à ce qui se passe, sinon le message, le véritable message d'une opposition en dehors de celle organique et celle de carriériste, il est complètement effacé des rédactions. Maintenant, aujourd'hui, on est peu. Et, vous savez, rappelons-nous la guerre de libération nationale, l'OS n'était pas non plus 500 000 personnes, l'OS c'était une dizaine de personnes, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est peu, demain, on va être nombreux, et tous les facteurs objectifs d'une implosion sont réunis. La révolution, c'est quoi? Bien qu'on n'est plus dans ce genre de schéma, on est plus dans une certaine forme, est-ce qu'on souhaite de la métamorphose? C'est quoi les éléments objectifs? C'est des éléments objectifs et subjectifs. Des éléments objectifs, c'est quoi? C'est l'arbitraire. Le peuple algérien, il le subit chaque jour. C'est la hogra. Il est confiné, malheureusement, le jeune Algérien, sinon le peuple algérien, il est confiné entre la hogra et la harraga. La troisième des choses, c'est tous les passe-droits. La quatrième des choses, c'est le chômage. Toutes les raisons d'une implosion sont réunies. Maintenant, il reste l'élément subjectif. Et l'élément subjectif, nous allons essayer de faire une petite comparaison à ce qui s'était passé en 2011 en Tunisie. En Tunisie, il y a des jeunes qui s'immolaient avant 2011 tous les jours. Il suffisait qu'un jeune s'immole, et là, c'est l'embrasement généralisé. Il faut qu'ils comprennent ceux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir dans le pays et qui essaient justement de tenir à la fois l'opposition, à la fois le peuple, à la fois les forces conscientes, les forces lucides de ce pays par deux choses. Le chantage au chaos et l'ingouvernabilité. Parce qu'ils ont créé une situation que s'il part, ou sinon du moins c'est une illusion, s'il part ce sera l'ingouvernabilité. Et là ils ont joué sur tous les éléments susceptibles de diviser, susceptibles de créer un climat de guerre civile après... Merci Saïd Aknin. Désolé de vous interrompre, c'est pour essayer de répartir le temps de façon équitable. Je reviens à Ali Benouari. Ali Benouari, l'affaire Khabar vient de se dénouer, le couperet est tombé, Rabrab a perdu. Or, bizarrement aujourd'hui, et c'est très très significatif, toute la presse n'en parle qu'en reprenant l'information brute, sans faire de commentaires. Sauf Al-Khabar, qui est concerné, il a fait un commentaire parce qu'il est concerné, et Liberté, parce que ça appartient à Rabrab, qui est concerné lui aussi. Or, tous les autres journaux, tous, sans aucune exception, à moins que je ne me trompe, à moins que ça ne m'ait échappé, ainsi qu'à toute l'équipe, n'ont pas commenté. C'est comme s'ils avaient peur. C'est comme si tout le monde s'était mis au garde à vous. C'est comme si tout le monde s'était planqué pour dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce que vous en pensez, Ali Benouari? J'en pense que le pouvoir ne s'est pas trompé. Il a ciblé Rabrab comme étant le seul à même de débrécher le monopole ou le quasi-monopole de l'État sur les médias. C'est une mise au pas, bien sûr. C'est une mise au pas à travers diverses formes, le levier financier, à travers les annonces de presse, comme vous le savez, à travers les menaces de redressement fiscal, les factures qu'on leur envoie pour les frais d'impression des journaux. La presse algérienne indépendante ou dite indépendante est très vulnérable et le pouvoir le sait. Il a toujours utilisé le chantage à son endroit. Le seul qui pouvait tenir tête, c'est Rabrab. Ils ne se sont pas trompés de cible. Ils savent que le seul qui pouvait
ébrécher leur monopole. Et c'est lui. Et donc, ils ont décidé de frapper vite, de frapper fort, avant qu'il ne vienne des idées à Rabab et avant que Rabab ne rejoigne avec ses médias l'opposition. Voilà. Mais Rabab, il ne s'attendait pas à une telle réaction. Il a été assez naïf pour croire que le régime allait le laisser se doter d'une véritable machine de guerre. Non, mais Rabab n'est pas un politicien. Oui, mais les gens qui lui ont recommandé, qui lui ont suggéré de faire l'acquisition du groupe Al-Khabar, ils ne savaient pas que le régime allait réagir très fortement et qu'il n'allait pas se laisser faire. Je ne peux pas répondre à sa place, mais on peut imaginer que ceux qui lui ont conseillé de se lancer dans la presse n'ont pas mesuré à quel point le pouvoir pouvait ressentir cela comme un danger et imaginer que le pouvoir allait répondre de cette façon-là. Moi, ça ne m'étonne pas. Au fond, on dit à Al-Brab, continue à gagner de l'argent, ne te mêle pas de politique ni de médias. Ça, c'est notre domaine réservé. Voilà. Je n'ai pas plus de commentaires que ça à faire sur cette triste affaire. Je préfère plutôt qu'on s'intéresse au sort des prisonniers, des journalistes qui sont emprisonnés, des militants de droits de l'homme comme ce Saleh Debbouz, qui n'arrête pas d'être harcelé sur le plan judiciaire, et bien d'autres défenseurs des droits de l'homme, activistes, militants sur le terrain, qui payent aujourd'hui de leur personne privation de liberté, exil, etc. Cela merci, Ali Benouari. Oui. Merci. Je suis désolé de vous interrompre, on arrive à la fin. Adel Khalil, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Saïd Aknin vient de prononcer un terme vraiment... Moi, je le trouve impressionnant de perspicacité. L'ingouvernabilité. Il a dit que ce régime a organisé une ingouvernabilité en cas de disparition. C'est le cas un peu de tous les despotes. Kadhafi, hein. Ben Ali, Bachar el-Assad, ils organisent tous une... Ça veut dire après moi le déluge, ou c'est moi ou c'est la pagaille. Donc, vous pensez que si jamais ce régime disparaît, que les circonstances le fassent disparaître, vous pensez que nous nous retrouverons en situation d'ingouvernabilité? À mon avis, non. Vu que ce gouvernement-là a bien impliqué... son poids et son pouvoir dans tous les secteurs. Hein. Pourquoi? Vous savez, depuis 20 ans, ils sont au pouvoir. Hein. Maintenant, ils sont impliqués dans tous les secteurs. Et même eux, ils partent. Il y en a qui prennent la relève, sans aucun nul doute. Et on voit ça sur la scène politique actuelle aujourd'hui. On voit bien dans le cadre de la préparation de la période après Bouteflika et après ce gouvernement-là, on voit les anciennes figures, par exemple le secrétaire général du RND, le secrétaire général du parti du FNN et ainsi de suite. Ce sont tous des joueurs de la même équipe qu'on voit depuis longtemps. Même eux, ils partent, ils vont laisser la relève à ceux qui ont confiance à eux, à ceux qui font confiance. Merci. Très difficile. Merci beaucoup Adel Khalil, merci beaucoup Ali Benouali, merci beaucoup Saïd Aknin, merci chers amis téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, bislama.